Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens de chez Action, je vous montre mes pépites. Tout de suite, j'ai trouvé un body cream, un beurre corporel. Ils appellent ça beurre corporel, mais moi je pense que vu la texture, c'est plutôt un hydratant corps, un lait corps, tout simplement. Vous le savez, je suis fan de noix de coco. J'ai pas hésité, elle coûtait quasiment rien, 1,89 €. Je testerai. L'odeur me semble pas trop mal. La texture est comme ceci, hein. C'est vraiment assez solide. À voir ce que ça vaut, vous le savez, je teste, je vous en parle dans mes produits terminés. En tout cas, ça, évidemment, j'ai pas hésité, j'ai pris. On reste dans l'hygiène, la beauté. J'ai pris ceci, une coloration. Alors, voilà, c'est la première fois que je la vois dans mon Action. C'est une coloration deux en un. Donc, comme vous pouvez voir, en deux étapes, c'est que vous colorez les cheveux en aplat d'abord, partout, sur toute la chevelure, et ensuite vous venez créer des espèces de petites mèches. Vous avez un kit également de mèches à l'intérieur. Tout est fourni. Ça coûte 2,99 €. Je me dis au pire, tant mieux si ça fonctionne. Et si ça ne fonctionne pas, j'aurai quand même les cheveux avec une couleur. Parce que c'est vrai que c'est un peu le tort des colorations qu'on fait à la maison. C'est qu'on n'a absolument pas de relief, pas de volume, pas d'effet. Et là, j'ai trouvé que si ça fonctionne, c'est génial. En tout cas, la marque Sayo, c'est plutôt pas mauvaise en termes de coloration. J'ai pris la 322, la Mûre Sauvage, celle-ci. Voilà, vous avez pile la bonne couleur. Si ça fonctionne, ma foi, je serais ravie, ravie, ravie. J'ai pris ensuite ceci, un petit tapis comme ça. Je vais me reculer. Il n'est pas très grand. Alors, est-ce que j'ai des dimensions dessus? C'est du 27,5 par 40 cm. C'est de l'acrylique et du polyester. Je vous le dis parce que je sais qu'il y a des personnes qui en sont allergiques. C'est de la peau, c'est tout doux. Et moi, je vais en faire un tapis de WC. Tout simplement, mon idée est là. Tapis de WC. Je trouve que ça change, on ne voit pas ça chez tout le monde, un petit tapis de WC comme ça. J'ai payé ça 1 €, touc touc touc, golden, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. J'ai payé ça combien? 1,99 €, voilà, fourrure, 1,99 €. Il y en avait plein d'autres couleurs, moi j'ai pris celui-ci parce que c'est ce qui se rapproche le plus des couleurs de mes WC, donc parfait. J'ai pris ensuite ceci. Je vous ai dit, c'est très bizarre à manger. Au début, on se dit, oh, c'est bizarre, on n'aime pas. Et puis finalement, on continue à en manger. Ça se mange très très bien. Ce sont des petits bâtonnets comme ça, fourrés. Il en existe au caramel et au chocolat. Et c'était 1,59 €. Donc j'ai pris une boîte. J'ai pris ensuite ceci. J'y suis essentiellement allée pour ça parce que je voulais vraiment ça. Depuis que je me suis coupé les cheveux, quand je me les attache, parce qu'il fait une chaleur épouvantable en Alsace, mais vraiment épouvantable actuellement. J'aime bien m'attacher les cheveux, je supporte pas mes cheveux détachés, hein, je suis voilà. Donc j'ai bien aimé celle-ci. Vous avez une comme ça, une grande barrette comme ça avec des petites perles. Vous en avez deux en espèce de nacre ici et vous en avez deux dorées toutes simples. Ça vaut 1,59 €. Il y en a plein de toutes les couleurs. Moi j'ai pris celle-ci. J'ai pris ensuite pour mes plantes, en bonne amoureuse de plantes, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Pareil, j'ai pris un engrais pour les plantes, un fertilisant plantes d'intérieur. Voilà, c'est à diluer dans l'eau. Je ne sais pas ce que ça vaut, je vous dirai poids aux caisses, 1,29 €. Je vous ai complètement fait bouger. J'ai pris ceci. Voilà, alors le code barre est barré. Si vous avez aimé, si vous êtes une amoureuse de ces petites choses-là, allez-y. Parce que franchement, le code barre est barré, 75 centimes, c'est tout simplement des Stixies avec un cœur de cacahuète à l'intérieur. C'est bizarre aussi, hein, faut aimer un petit peu le sucré-salé, j'aurais tendance à dire. C'est particulier. C'est particulier. Moi, je sais que j'ai fait goûter ça à des invités. Il y en a qui ont adoré, il y en a qui ont détesté. Voilà, deux, j'en ai pris deux pour essayer de, voilà, d'en avoir un petit peu, aurais-je envie de dire. Passons à ma petite pépite du jour. Enfin, j'en ai plein de pépites, hein, mais ça, c'est vraiment une pépitas. J'ai pris le fameux tabouret qu'il y a chez Action, qui est ouvert comme ça, hop, ici, hein, là, c'est complètement vide. Et le contour ne l'est pas, lui, par contre. Voilà, je me recule, il est plutôt grand. C'est pas le plus grand des deux, c'est du teck. Le bois dessus, qui est assez épais, est du teck. Voilà. Moi, je vais le mettre en dessous de mes escaliers. Je vous ai posté d'ailleurs une photo Instagram où nous sommes en travaux. Nous sommes en train de refaire le couloir de l'entrée principale de la maison. Et voilà, c'est celui-ci. Je vous donne les dimensions. Donc, une table d'appoint en teck ou un fin de canapé ou un début de canapé.
Voilà, vous avez les dimensions, voilà ce que ça donne. Elle est très très belle. J'aurais aimé que le bois soit un peu plus clair. Malheureusement, ça ne l'était pas. C'est le plus clair que j'ai trouvé. Je trouve juste magnifique. Les pieds sont assez solides. C'est franchement, c'est du costaud. Hein. C'est assez lourd, c'est du costaud. Que vous dire là-dessus? J'ai payé 9,95 €. Table d'appoint ronde métal en teck. Voilà. Je vous ai tout dit. J'ai repris ensuite, parce qu'un peu de pragmatisme, toujours dans mes vidéos, il en faut, du nettoyant carpette. Celui-ci, je vous recommande. Je vais pas tarder à vous faire une de mes vidéos indispensables de produits Action, et il en fera partie. J'aime beaucoup. J'en vaporise sur les tapis. Ça fait une espèce de petite mousse très légère. Hein, c'est pas une texture mousse. Ça laisse par contre le tapis humide. Si vous aimez pas ça, vous faites-le le matin avant d'aller travailler et puis passez votre aspirateur en rentrant le soir. Moi, c'est ce que je fais généralement. En tout cas, ça laisse une odeur très agréable. Le produit est très efficace. Ça coûte 1,39 €. J'ai pris ensuite du papier cuisson parce que je n'en avais plus du tout. Ça coûte que dalle. Chez Action, ça coûte 82 centimes. Voilà, vous avez combien de feuilles à l'intérieur? Je regarde sur mon ticket parce que ça a l'air d'être indiqué. Il y en a 20 à l'intérieur. Et les dimensions, c'est du 42 par 38. Donc, des plaques de cuisson dites traditionnelles. J'ai pris ensuite une boîte de pois chiches parce que j'aime bien faire des houmous maison. Donc, voilà. Ça coûte 57 centimes. J'ai pris ensuite ceci. Alors ça, c'est une découverte pour moi. C'est pas du tout celle que je vous présente d'habitude. Je l'ai goûté. C'est au pruneau et noix de cajou, dattes et noisettes. Voilà, c'est sans gluten, c'est vegan. Il y a 60% de fruits. Voilà, ça coûte 1,29 €. Et j'ai pris mon sempiternel petit café. Évidemment, vous le savez que j'adore ce café, que je trouve très très bien. Je ne saurais que vous le recommander. Testez-le, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai pris le long ce coup-ci, parce que j'aime bien de temps en temps varier le long. Je préfère l'expresso, le fort, mais celui-ci est pas mal du tout non plus. Voilà pour mes petits achats Action. Dites-moi vous si vous avez trouvé des petites pépites. Moi, je pense que ma petite table d'appoint fera tout son effet. Je vous ferai probablement un couloir tour une fois qu'il sera terminé, et vous la verrez, j'en suis sûre. D'ici la prochaine vidéo, on continue à prendre soin de ça. Ciao !